Quand la meuf, elle sait que tu vas jamais partir, tu auras beau crier, tu auras beau te rouler à terre, partir pendant 2 jours, faire la tête, etc. De toute façon, elle sait que tu vas rester là gentiment et tu vas rien faire. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Si c'est Jonathan Chi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre de passer à l'action, créer ta vie sur mesure, pouvoir devenir libre en gros. Et ça, pour ça, il faut faire de l'oseille les gars. Il n'y a pas 50 000 façons de faire. Donc il y a deux choses que je te propose. Tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Tu as déjà fait 20K en une semaine? Non. Donc, je comprends pas. C'est gratuit, c'est offert, tu es libre d'y accéder. Jette un coup d'œil, ça ne te fera pas de mal. Et la deuxième chose que je te propose, c'est pour les gens qui sont déjà déter, j'ai ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Ok, il n'y a rien de magique, c'est juste tu suis. C'est les stratégies que j'utilise, ok, les stratégies que les gens qui font de l'argent sur Internet utilisent, ok. C'est une stratégie que j'ai partagée avec plusieurs de mes coachés qui aujourd'hui, il y en a, ils sont indépendants financièrement. Si tu peux leur poser des questions sur Instagram, on est transparent, nous. Hein, il n'y a pas de magie, par contre, il faut taffer. Ça, par contre, ça, les gars, si tu pensais que j'allais te dire, tu appuies sur un bouton, tu t'es trompé. Par contre, il va falloir s'abonner et ça va prendre du temps. Mais vaut mieux, j'ai envie de dire, être productif dans son temps et faire de l'oseille. Et pour ça, en plus, la formation est 100% finançable. Donc, tu peux utiliser ton CPF si jamais tu veux pour pouvoir y accéder. Si jamais tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu peux prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Tu mets ton numéro de téléphone, prénom et après, tu vas avoir quelqu'un qui va te rappeler ou tu vas pouvoir prendre un rendez-vous. Et tu pourras poser toutes tes questions par rapport à la formation, comment faire le dossier si par rapport au CPF, si nécessaire. Et on va t'accompagner de A à Z, ok? Et après, on va donner les accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra charbonner, les gars. Il n'y a pas de secret, ok? Et pas d'excuses, les gars. J'ai redoublé le 411. J'ai redoublé mon BEP. J'ai redoublé le quartier des pyramides. Arrêtez de chercher des excuses. Passez juste à l'action. Là, ça fait plus de 3 ans que je voyage. Aujourd'hui, je suis en Colombie. Arrêtez de chialer et passez à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. L'une des bases de la nature féminine que tous les gars, j'ai l'impression, sont là. Ils sont tous perdus, les gars. Ils sont tous perdus. L'une des bases de la nature féminine, c'est que les femmes ont envie de coucher ou sont excitées, comme tu veux, par des gens qu'elles respectent. Ça veut dire qu'une femme, même si tu l'énerves, même si tu l'agaces, tout ce que tu veux, si jamais elle te respecte, elle va coucher avec toi. Okay, elle sera excitée en tout cas pour pouvoir coucher avec toi. Okay, il y a des filles que je peux les énerver, elles ne sont pas d'accord avec ce que je dis, blablabla. Mais si je passe un coup de fil, il n'y aura pas de souci. Et c'est pour ça que les gars de la friendzone, ça ne fonctionne pas. Tu sais, ils essaient d'être gentils, ils n'ont pas la force de leur opinion, ils essaient juste d'être tout pour qu'elle soit contente. Tu vois, genre, moi je suis toujours d'accord avec toi, moi. Moi je suis toujours d'accord avec toi. Ce qu'il dit, je l'attends. N'importe quoi, misogyne, il est misogyne. Et ils pensent qu'en faisant ça, genre, ils vont pouvoir exciter la meuf. Mais non, ça ne fonctionne pas. Okay, les gentils, là, ça ne fonctionne pas. De toute façon, ils sont au courant, ils sont dans la friend zone. Et c'est très difficile d'en sortir de la friend zone. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu as toujours Zeus en description, les secrets de la nature féminine. Donc, du coup, tu te demandes, ok, alors comment on fait pour pouvoir se faire respecter? Bon, ben ça, il n'y a pas de hack, hein, c'est comme le business. Il n'y a pas de hack, ça se travaille, il faut travailler sur toi. Tu es un homme, pour pouvoir être respecté, il faut faire des choses que les autres personnes vont respecter. Ça veut dire qu'il faut accomplir des choses. Si on respecte Ronaldo, c'est parce qu'il a accompli des choses, il a eu des titres, etc. Si on respecte Benzema, c'est la même chose. Si on respecte, je ne sais pas, n'importe qui, chanteur, rappeur, Drake, c'est parce qu'ils ont accompli des choses, ils performent. Plus tu vas performer, plus tu vas faire des choses, plus tu vas attirer à toi le respect. En gros, les femmes veulent coucher avec un gars que les hommes voudraient devenir, donc en gros que les hommes respectent, et qu'une majorité de femmes veut coucher avec lui. Okay? Donc si jamais tu remplis ces deux critères-là, ça va exciter la femme. Okay? Tu le vois avec Dan Brazilian, comment on dit ça encore son nom? Moi, en tout cas, je sais que tu m'as compris. Voilà, le fait que tous les hommes aimeraient être à sa place ou aimeraient être lui, et le fait qu'il y ait des femmes autour de lui, ça attire encore plus de femmes. Okay? À une exception près, c'est Will Smith. Voilà. Donc, du coup, en fait, même si tout le monde te respecte, si chez toi, après, tu ne te fais pas respecter
par ta femme, du coup, elle va perdre l'attraction, elle n'aura pas envie de coucher avec toi, elle ne sera pas excitée par toi. Je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer sur l'histoire de Will Smith, je pense que tout le monde y est au courant, sa femme n'a aucun respect pour lui. Publiquement, elle l'affiche comme ça, elle dit c'est comme si tu vas faire quoi, tu vas faire quoi. Si demain, j'entends qu'il s'est pris une gifle par Jada, je ne serais pas surpris. Non, mais réellement, ça ne m'étonnera pas parce que c'est la conséquence. Parce que vu qu'elle va chercher un homme, elle va essayer de le provoquer, elle va commencer par l'insulter. Bon, ça, je pense que ça a déjà été fait. Elle va commencer par l'insulter et à un moment donné, elle va le gifler pour pouvoir le faire se réveiller et devenir un homme. En fait, elle va le faire réagir, c'est sûr. Du coup, tout ça m'emmène sur le deuxième point. Tu ne peux pas autoriser le manque de respect. C'est impossible. Tu ne dois pas te faire dérespecter. À partir du moment où tu te fais dérespecter, bah c'est foutu. Ok, le respect, bah du coup, ça se gagne, il va falloir que tu travailles sur toi, etc. Mais en attendant, tu ne peux pas laisser ta femme te manquer de respect. Parce qu'après, les gars, ils laissent les choses aller, ils laissent les choses courir. Et puis après, ils disent, ouais, ils me posent des questions. Ma meuf, elle ne me respecte plus. Comment je peux faire? Bah ouais, mais en fait, il ne faut pas laisser les choses aller, en fait. C'est beaucoup plus compliqué quand tu laisses les choses aller que quand tu, dès le début, bah, tu mets les limites. Tu vois, mais les gars, ils ont peur de mettre les limites. Par exemple, on va prendre un exemple simple. Par exemple, ta meuf, elle te dit, ouais, vas-y, ce soir, je vais sortir avec plein de gars, avec mes potes. Voilà. Plein de gars, je sors ce soir, machin. La plupart des gars, ils vont vouloir faire genre, ok, non, pas de chérie, pas de souci, bébé. Moi, je suis un gars, j'ai confiance en toi, je sais ce que je vaux, nanani, nanana, tu vois. Parce qu'évidemment, si jamais tu essaies de lui dire, ouais, non, je veux pas que tu ailles, non, mais attends, c'est pas Al-Qaïda, tu me contrôles pas, je fais ce que je veux avec mon corps, blablabla. Enfin, tous les bullshit là. Elle va faire genre, c'est toi le problème. Ok, sache que la nature féminine, elle fonctionne toujours aussi comme ça. Quel que soit le problème, ce sera toujours de ta faute. Et elle va essayer de toujours tourner le truc, c'est de ta faute. Moi, j'avais entendu une histoire carrément, un gars que je connais, sa meuf, elle l'a trompé, et genre, elle avait réussi à retourner son cerveau, genre en mode, c'est de ta faute. Ce sera toujours de ta faute, ok? Donc, elle va toujours essayer de faire tourner le truc psychologiquement pour pouvoir faire genre, c'est toi le problème en fait. Okay. Donc du coup, après quand je dis il faut pas se faire manquer de respect, ça veut pas dire que tu dois t'énerver. Comment ça, tu restes là, comment ça? Non, c'est pas ça. C'est juste, tu mets les limites. Ça veut dire quoi? Par exemple, si jamais elle veut sortir avec tous ses potes, tu lui dis c'est simple. Moi, c'est pas le genre de meuf que je recherche. Je recherche pas une relation, en tout cas sérieuse, si jamais on part sur un truc sérieux. C'est pas le genre de meuf que je recherche. Le genre de meuf qui sort comme ça avec ses potes, etc. C'est pas comme ça, c'est pas ma vision du couple. Donc tu peux sortir, moi j'ai aucun problème avec ça, mais sache que si jamais tu sors avec tous tes potes là, moi je te prendrai pas au sérieux. C'est-à-dire que je te prendrai pas au sérieux pour une relation sérieuse. Ok, on pourra avoir du sexe ensemble, il n'y a pas de problème, mais par contre pour pouvoir aller plus loin, moi je serai pas intéressé. Ok, donc maintenant la balle est dans ton camp. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas s'énerver, il y a pas. Non, juste tu poses les limites. Parce que des fois, les gars, ils comprennent pas qu'on manque de respect, genre, je dois m'énerver. Non, voilà. Juste tu mets les limites. Ok? Après, c'est la balle dans son camp. Si jamais, genre, elle part quand même avec ses potes, bah, ça veut dire qu'elle a choisi ses potes par rapport à toi. Donc à ce moment-là, de toute façon, dans tous les cas, c'était qu'une question de temps avant qu'elle couche avec un autre gars, avant qu'elle te trompe. C'est qu'une question de temps. La meuf, elle sort avec ses gars, elle va boire, les gars, ils sont toujours en train d'essayer de lui mettre un coup. C'est qu'une question de temps. Déjà, tu sais qu'elle n'a pas de respect pour toi et donc tu sais qu'elle ne t'aime pas vraiment parce qu'elle ne peut pas t'aimer. Une femme ne peut pas t'aimer si jamais elle ne te respecte pas. C'est d'abord elle te respecte et après elle t'aime. Et pour revenir au premier point où je disais, ouais, il y a des meufs, elles peuvent bien t'aimer, mais ne pas coucher avec toi parce qu'elles ne te respectent pas. Donc pour revenir à la meuf, si jamais elle est partie avec un gars, de toute façon, c'était qu'une question de temps avant qu'elle aille voir ailleurs. De toute façon, elle aurait été à voir ailleurs. Ok, t'es juste en train de gagner du temps. C'est pour ça qu'il faut mettre les limites. Comme ça, au moins, ça t'évite de perdre du temps parce que de toute façon, ça va finir. Ça va pas durer. La meuf, elle va aller avec d'autres gars, machin, faire la fête avec tous ses potes. Ok, bah toi, tu passes à autre chose. Tu passes à une autre chose et c'est évidemment, bah, du coup, il faut avoir des options. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut, la base, il faut travailler sur vous. C'est pour ça qu'il faut devenir quelqu'un. Une fois, j'ai lu un commentaire où j'expliquais dans une vidéo que je disais, bah, en tant qu'homme, ta valeur, bah, tu dois la créer. Voilà, les gars, vous n'êtes pas des meufs. Parce que sur le marché du célibat, ce qui est valorisé chez les femmes, bah, c'est parce que est attiré bah, le genre de reposé. Bah, nous, les hommes, on est attiré par la beauté de la femme en premier. C'est ce que l'on voit. Hein. Quand tu vois une femme passer dans la rue, tu ne dis pas « Ouh, qu'est-ce qu'elle est intelligente !» J'ai envie d'aller lui parler. Hein. Donc, arrêtez. Je crois incroyable que quand tu dis des trucs basiques comme ça, c'est tellement les gens se sont fait laver le cerveau et ils disent « Ah non ?» Ok, tu as raison. Bah, reste dans la matrice.
Mais pour ceux qui vont en sortir, bah oui, évidemment que genre il faut travailler sur toi, il faut créer de la valeur. Ça veut dire qu'il faut que tu deviennes une meilleure version que toi, c'est simple. Il faut que tu sois, que tu fasses de l'oseille, que tu augmentes ton statut, que tu sois in shape, que tu aies le six pack. Est-ce que, c'est dur. Bah, si tu veux chialer, va sur notre chaîne, frérot. Si tu veux avoir les meilleures options, après moi je te parle toujours pour avoir les meilleures options. Ça veut dire si tu vises des 8, des 9 et des 10, ok? Il va falloir travailler sur toi, il n'y a pas de secret. Sinon, elle ne te voit pas. Les meufs, elles passent comme ça, elles ne te voient pas. Tu lui envoies un message sur Instagram, elle ne va pas te voir. Elle ne va même pas te répondre. Donc du coup, quand la meuf, elle part, ouais, quand elle choisit ses potes, voilà, ok, pas de problème. Boum, moi, c'est, tu te prends pas au sérieux ou sinon tu gardes comme ça, mais ce n'est pas un truc sérieux. Boum, tu changes, tu as des options. Et en plus, après, les gens vont dire, ouais, mais ça veut dire que tu es un playboy. Ben, en vérité, frérot, tout a changé, tu le sais. Dans le marché de relations de femmes, dating, tout a changé, ok? Ça a été la mondialisation. Ça veut dire que la concurrence, c'est comme le business, la concurrence, elle est mondiale. C'est-à-dire que la meuf qui est dans ton village, là, elle peut se faire DM par un gars qui est à Miami ou un gars qui est à Dubaï. OK? Avant, ce n'était pas possible. Avant, la meuf de ton village, bah, vous étiez en concurrence avec les gars de votre village. Aujourd'hui, c'est mondial. OK? Donc du coup, bien sûr qu'aujourd'hui, il faut être un playboy pour avoir l'expérience avec les femmes, les connaître, ok? Même s'il y a Zeus, le secret de la nature féminine que tu as en description, il va bien falloir appliquer ce dont je te parle dans Zeus, ok? Donc, il va falloir connecter avec des femmes pour pouvoir les connaître et pour pouvoir les choisir. Comment tu fais pour savoir? Les gars, la plupart des gars, ils se mettent avec la première meuf avec qui ça se passe à peu près bien. Ils ont connu deux meufs dans leur vie, boum, ils se mettent avec la première meuf. Et après, ils laissent les choses aller, ça va pas bien, mais ils restent quand même, tu vois. Du coup, le deuxième point de la vidéo, la plus grosse erreur que les gars font en couple, okay, c'est de montrer qu'ils n'ont pas la capacité de partir. Ça veut dire que les gars ne sont pas prêts à partir. Quel que soit ce que la meuf va faire, ils vont rester. J'avais fait une vidéo là-dessus, j'en avais parlé. J'ai entendu des histoires où la meuf, elle a trompé le gars, etc. Quand elle est revenue à la maison, le gars, il a réservé un billet sous les îles Caïmans pour pouvoir raviver la flamme. Frérot, à partir du moment où elle t'a trompé, c'est déjà, elle ne te respecte plus déjà. Et le respect pour une femme, c'est la base pour pouvoir t'aimer. Donc, il y a déjà un truc, c'est déjà chaud. Et si elle ne se barre pas, c'est parce qu'elle a des avantages d'être avec toi. Ou elle n'a pas tant d'options que ça, ou le gars avec qui elle est, de toute façon, le gars ne veut pas plus que ça avec elle. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle sait qu'en vérité, tu vas toujours rester. Quoi qu'elle fasse, elle sait que tu vas rester. Donc du coup, bah, on en arrive à des trucs où bah, la meuf, comme je te disais pour l'exemple avec Will Smith, bah, je ne sais pas s'ils font ça, mais en tout cas pour moi, des couples, des histoires comme ça, j'en ai entendu, des gars qui se font gifler par leur meuf, qui se font manquer de respect devant tout le monde. Moi, j'ai vu en vrai, en public, des meufs qui mettent des coups de pression comme ça devant, à leur gars, devant tout le monde. Et imagine en public, alors imagine à la maison. Mais les gars, ils lui mettent des gifles comme ça. Dis quand tu alors, va faire à manger là. Tu crois où là? Et tes chaussettes, tu vas les... Hein? Tes chaussettes, combien de fois tu... Du coup, tes chaussettes là, ça traîne partout là. Range tes chaussettes. T'es m'énerve. Putain, Géraldine, je lui mets un coup de pression là, ce bouffon là. Voilà ce qui se passe. Comment tu veux qu'après qu'elle soit excitée après toi? Nous, c'est là. Ah, oui, t'as raison Géraldine. Oui, d'accord, oui, mes chaussettes. Oui, c'est bon. Ah, mais j'ai oublié, c'est bon, je peux oublier quand même une fois. Ouais. Comment tu veux qu'elle soit excitée? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gars, ils laissent les meufs faire ce qu'elles veulent et il n'y a aucune conséquence, il n'y a rien. Donc, les gars ne sont pas prêts à partir parce qu'ils ont peur. Voilà, ils ont peur tout simplement de perdre. Mais le problème, c'est que tu n'as aucun levier. Tu n'as aucun levier. Donc, du coup, si tu n'as aucun levier, c'est comme si jamais ta meuf, elle te dit, écoute, si jamais tu me trompes, je te quitterai jamais. Okay? Si jamais tu vas voir d'autres meufs, je ne te quitterai jamais. Okay? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle a de grandes choses que tu allais voir ailleurs. Elle t'a dit de toute façon qu'elle ne va jamais partir. Ben, c'est ça le problème. Ben, elle, c'est la même chose. Quand la meuf, elle sait que tu ne vas jamais partir, tu auras beau crier, tu auras beau te rouler à terre, partir pendant 2 jours, faire la tête, etc. De toute façon, elle sait que tu vas rester là gentiment et tu ne vas rien faire. Et après, tu dis, ouais, mais si jamais je pars, ok, je pars, mais après, elle ne me court pas après ou elle ne sait pas de... Ouais, elle ne me court pas après et tout. Et si elle ne court pas après, toi, tu as juste esquivé des problèmes qui allaient arriver. T'as juste esquivé des problèmes qu'elle allait de toute façon qu'elle allait te tromper. T'as juste esquivé le divorce qui va arriver. Hein, je te rappelle, c'est 80% des femmes qui demandent le divorce. Hein, t'as juste esquivé tout ça. T'as juste esquivé tout ça. T'as juste gagné du temps et des problèmes. Des problèmes. Parce que les divorces, les gars, vous vous faites défoncer. Enfin, on se fait défoncer. Hein?
on se fait défoncer dans les divorces. Hein, je te rappelle, c'est le transfert de richesse envers les femmes, le premier, c'est les divorces. Hein. C'est comme ça qu'elles s'enrichissent le mieux. C'est le premier. Alors là, je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, non, mais n'importe quoi. Toi, tu dis n'importe quoi. Vraiment, misogyne. Je sais pas ce que tu racontes. Les meufs, c'est pas toutes les mêmes, etc. Blablabla. » Alors déjà, j'ai pas dit que les meufs, c'est toutes les mêmes. Hein, si jamais, Géraldine, tu te sens… Je parle d'une manière générale. Hein, si jamais, Géraldine, tu te sens concerné, c'est à toi de te remettre en question. Okay. Maintenant, pour les gars qui sont là, ouais, mais n'importe quoi, moi, ma meuf, c'est différent, et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, en fait, toi, tu crois que les meufs sont gentilles, en fait. Comme dans Disneyland, comme dans les films de Walt Disney, en fait. Tu crois que les femmes, elles sont gentilles. T'es vraiment connecté, frérot. Je vais te dire un truc, et je pense que ça va être difficile. La red pill, elle va être difficile à avaler. Tu crois que les femmes, elles sont gentilles, comme dans Walt Disney, c'est ça? Genre, oui, ce rêve bleu. Non, il n'y a pas de rêve bleu, frérot. Les femmes sont pas gentilles, elles sont comme tout le monde, comme les hommes et comme les femmes, elles sont pas gentilles. Arrêtez de croire qu'elles sont gentilles, arrêtez de croire aussi tout ce qu'elles vous disent. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Genre, les femmes ne mentent pas. Oh, c'est nouveau, ça. Aux États-Unis, ils ont fait un hashtag « Believe all women ». Ah bon, d'accord. Ça veut dire croire toutes les femmes. Ah bon? C'est quoi? C'est des demi-dieux? C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Le monde part en sucette. Mais si jamais les hommes ont dit rien, bah, ça va partir encore plus. Moi, pour moi, c'est un shit géant, en fait. Un shit test géant, pour moi. Bref, je reviens sur ce que je te disais par rapport à la red pill que je voulais te partager. Les femmes aiment de manière opportunistique. Alors là, il y a Géraldine qui dit « Ouais, n'importe quoi, comment tu oses faire ça? Comment tu oses dire ça? N'importe quoi! On n'est pas du tout comme ça. » Ah ouais? Exemple, quand une femme gagne beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elle dit quand elle gagne beaucoup d'argent? J'ai pas besoin d'hommes. J'ai pas besoin des hommes. J'ai pas besoin d'hommes. Les femmes sont avec toi parce que tu leur apportes quelque chose dans leur vie. Que ce soit l'attention, que ce soit le statut, que ce soit l'argent, que ce soit un confort, sécurité, tout ce que tu veux. Les femmes sont avec toi pour soi. C'est comme ça qu'elles sont, biologiquement c'est comme ça, et depuis la nuit des temps, c'est comme ça qu'elles fonctionnent, c'est leur nature. Et il faut qu'elles fonctionnent comme ça, parce que comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, à l'époque où c'était la guerre, ou je sais pas quoi, il y a 200 ans, 300 ans, fallait qu'elle soit avec le meilleur homme, okay, le plus puissant, qui a le plus de pouvoir, le plus d'argent, pour pouvoir assurer la descendance là, et protéger ses enfants, en fait, tu vois. Donc oui, les femmes aiment de manière opportunistique. Et pour ça que du coup, y a des meufs qui commencent à faire de l'oseille, elles commencent à dire en fait, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin d'hommes, en fait. Ça, c'est que des femmes qui disent ça. C'est ce genre de truc de j'ai pas besoin du genre opposé. Enfin, j'ai pas besoin d'hommes. Voilà, j'ai pas besoin d'hommes, c'est bon, je suis mon argent, mais toi, j'ai pas besoin d'hommes. Okay, comme s'il y avait que l'argent qui suffisait. Hein, mais... Quand t'entends ce genre de raisonnement, tu sais que la femme, elle est avec toi parce que tu lui apportes quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des femmes, par exemple, qui vont dire elles n'êtes pas en dessous de leur milieu social, parce que la femme est hypergame, d'accord. Et moi, j'avais entendu une femme qui disait « Pourquoi je vais dater un gars en dessous de moi? Pourquoi faire, en fait? Qu'est-ce qui va m'apporter, en fait? En fait, je suis mieux toute seule qu'avec lui. » La femme aime de manière opportunistique. Est-ce qu'il faut être dur? Oh, c'est dur, hein? Oh là là, ou être énervé? Non, il faut juste accepter les choses comme elles sont. Je sais que dans ce monde, aujourd'hui, maintenant, il faut heurter le feeling de personne. Faut pas dire la vérité. Protéger les sentiments des gens, ne pas les heurter leur feeling, c'est mieux que de dire la vérité. Non, mais le problème, c'est que sans vérité, tu fais comment pour avoir le résultat? Donc voilà les deux choses qui font que aujourd'hui, les hommes, ils galèrent. Et si jamais tu n'as pas ça, du coup, elles ne seront pas excitées par toi, que tu sois en relation ou non. Premièrement, le respect, c'est la base. Et deuxièmement, être capable de partir. Mais pas genre en bluff, réellement être capable de partir. Les gars, ils se mettent avec des femmes, ils font des enfants et après ils disent « Oh putain, la misère, c'est tout, c'est vraiment la misère. » Bah ouais, mais c'est en fait, c'est à la base en fait. Tu mets les limites, machin, c'est à rentrer dans ton programme, c'est cool. Si jamais elle veut faire l'indépendante ou genre elle veut faire ce qu'elle veut avec son corps, je sais pas quoi, aller avec ses potes, c'est toi qui as un manque de confiance en moi, c'est toi qui est pas bien, c'est toi le problème, t'es insécure, je sais pas quoi, comme ils disent en anglais, c'est toi le problème quoi. Moi, c'est bon, là, en 2022, je fais ce que je veux, ok. Si je veux agir comme une célibataire, même si je suis en couple, je fais ce que je veux, ok. C'est à prendre ou à laisser, c'est à laisser. Le focus, ça doit être uniquement toi. Uniquement toi. Arrête de mettre sur un piédestal ta femme, parce que ça ne va pas remplir son hypergame. La femme doit compléter ta vie et ne être le focus. Tu te focuses, elle complète ta vie, ta vision, elle est intéressée pour t'aider à monter ton empire. Ok, elle t'accompagne, pas de problème. Si jamais, non, je n'ai pas besoin, non. J'ai envie de faire ce que je veux, etc. Fais ce que tu veux. Si elle veut twerker à 2h du matin en soirée et revenir et puis être la mère de tes enfants,
miettes, les gars. Arrête de dire, ouais, mais c'est chaud, j'ai pas d'option. Ben, travaille sur toi. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. C'est fait pour ça, c'est libre, les gars. Espace libre. À partir du moment que tu manques pas de respect, tu vois, le respect, c'est important aussi. Si tu manques de respect, je dégage ton commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as vu cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et les gars, si vous voulez aller plus loin avec moi, de toute façon, vous avez tout en description. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je vais être ton camp.